Jobway! Hey! Jobway! Hey! Dans le temps, on avait un slogan que je veux bien, que je veux réactualiser. C'est Fort Bonition. Fort Nassimbé! Démission! Fort Nassimbé! Démission! Fort Nassimbé! Démission! Et j'aimerais ajouter un slogan. Papa, à côté! Ça fait penser Carl. En parlant de Togo de vie. Effectivement, nous voulons que ce pays se lève. Que le Togo se relève. Que le Togo soit debout. Alors quand je dis Togo, vous répondez debout. Togo, debout. Togo, debout. Togo, debout. Afrique, debout. Afrique, debout. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que notre pays a de nouveau subi un coup de force. Nous le savons tous, depuis 1992, la constitution togolaise constitue une épine dans le pied du régime des Nassimbé père et fils. Et aujourd'hui, ils ont poussé le Rubicon jusqu'à vouloir nous faire passer carrément dans un autre régime en piétinant la constitution que nous-mêmes nous avions votée. Par référendum. Ils se sont réunis, ils ont trituré cette constitution à plusieurs reprises et cette fois-ci, ils veulent la déchirer. Et ce coup de force, nous ne devons pas le laisser passer. Ce coup de force, les Togolais ne peuvent pas le laisser passer. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont faire une relecture de la nouvelle constitution qu'ils sont en train de préparer. Nous ne voulons ni de leur constitution, ni de la deuxième lecture, ni de la dixième, la quinzième ou la vingtième lecture. Nous voulons que cette constitution soit purement. Nous voulons que cette constitution, ils la remballent et ils l'emportent avec eux. Parce que pour nous, ce régime vient de montrer une fois pour de bon qu'il est illégitime. Le régime vient de montrer qu'il est illégitime et qu'il n'a plus le droit de diriger notre pays, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le Togo va reprendre sa souveraineté, le peuple togolais va reprendre sa souveraineté dans ses propres mains et nous ne voulons plus des Nassimbé au pouvoir. Les Nassimbé doivent dégager, le régime RPT-Uni doit dégager et c'est le seul mot d'ordre qui compte aujourd'hui. Il ne s'agit plus de constitution, il s'agit de départ immédiat et sans condition de ce régime. Nous disons au peuple togolais, nous disons à nos compatriotes qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'il faut qu'ils se lèvent, que la diaspora est en train de s'organiser pour les soutenir et pour leur servir de base arrière. Les compatriotes doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, nous commençons avec Togo debout, la première manifestation de ce qui doit constituer une caravane de mobilisation jusqu'au départ de Fort Nassimbé et de son régime. Après Paris, cela doit être Bruxelles, ou Berlin, ou Rotterdam, ou Copenhague, ou Rome. Et partout où les Togolais se trouveront, ils se doivent de se mobiliser pour mettre un terme à ce système anachronique. Je dis encore une fois qu'aujourd'hui, c'est le Togo. Demain, ce sera notre pays dans la sous-région. Et je dis à nos chers compatriotes africains, à nos chers panafricains, que c'est le moment ou jamais de montrer qu'ils sont réellement panafricains. C'est d'abord, maintenant et avant tout, où quand un pays est en difficulté, tous les autres pays africains, tous les panafricanistes doivent se lever pour dire non, pour mettre un coup d'arrêt à cette forfaiture.
Sinon, nous ne le faisons pas pour le Togo aujourd'hui. Nous ne pourrons pas le faire pour défendre ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina, ni le Sénégal, qui vont être sous le coup, sous le feu, les tirs croisés de tous les impérialistes qui veulent s'emparer du continent. Je dis aujourd'hui aux Togolais, vous n'êtes pas seuls, on est avec vous, et il est temps que la classe politique togolaise prenne conscience du drame que subit le peuple. Il est temps qu'on taise les bisbilles, il est temps qu'on se rassemble autour de ce peuple pour le sortir de l'ornière où il est. Je dis à tous les patriotes, rassemblez-vous, unissez-vous et faisons face aux seuls détracteurs du peuple togolais, aux seuls tortionnaires du peuple togolais, aux seuls dictateurs qui imposent sa volonté au peuple togolais. Je veux parler du régime de Faure Gnassingbé. Encore une fois, avec moi, Faure Gnassingbé. Démission. Faure Gnassingbé. Démission. Faure Gnassingbé. Dégage. Faure Gnassingbé. Dégage. Faure Gnassingbé. Dégage. Dégage. Milawelo. Milawea. Milawelo. Milawea. Milawelo. Milawea.